Bonjour à tous, c'est Bis61 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Resident Evil Umbrella Chronicle, toujours en compagnie de Florian. Salut tout le monde. Donc pour le chapitre 4 du coup, si je dis pas de conneries. Exact. Et donc on va commencer l'incident du manoir, donc les événements du premier Resident Evil. Et c'est avec qui du coup? Donc avec Chris Redfield et Jill. Le fameux Redfield. Voilà, donc c'est parti. Allez. Donc tu choisis qui tu veux. Ah bah, évidemment. Elle est plutôt pas mal sur la note. Je vais dire un autre terme. Plutôt bonne. Ouais. Parce que faut quand même avouer, bro, les fans qui me suivent connaissent un peu mes goûts pour les nanas de Resident Evil. Mais c'est vrai que Jill, d'habitude, vous savez très bien ce que j'en pense. Hein. Moi, je dis toujours que c'est un glaçon, qu'elle est froide et tout. Ça veut pas dire qu'elle est moche. Hein, ah oui. Mais voilà, je la trouve froide. Mais là, sur l'image, je trouve qu'elle rend beaucoup mieux. Mm. Elle fait beaucoup plus... chaleureuse, on va dire. Allez, arrête, t'en par rapport à... au glaçon d'habitude. Donc, bon, on garde les mains. Ouais, je vais pas prendre le lance-grenade, parce qu'en fait, si je prends ça, je pourrais ça pas accéder à ça. Ouais. Tant que j'en ai pas ramassé, du moins. D'accord. Donc c'est... on va pas tenter le vice. Ah, il se partout. Puis un lance-grenade, si on débarque comme ça dans un manoir, c'est un peu suspect. That was the night I led the STARS Alpha team into the Arklay Mountains, and we touched down in the surrounding woods. We were to look into the disappearance of Bravo team. At least, that was the fake. The reality was quite a different story for the unsuspecting members of the Alpha team. After being attacked by a pack of monsters, only Chris and a few others, including myself, made it to the mansion. Everything was going according to plan. Soon, I would have the research data that I needed. What is this hall? What was that? I'll go check it out. It's dangerous going alone. I'll come with you. All right. I will stay and secure the area. Pour rester dans le classique, on débute avec le fameux zombie culte qu'on voit pour la première fois dans le jeu. What's going on? Évidemment, nos héros ne savent pas ce qui se passe, en tout comme Rebecca et Billy. C'est vrai que Rebecca et Billy, je l'ai pas dit, parce qu'ils étaient en mode badass dès le départ. Mais là, évidemment, ils débarquent dans un manoir. Ouais. Techniquement, il est pas censé avoir des morts vivants. Quoi. C'est pas censé exister. Quoi. Donc forcément, au début, ils se posent des questions. Quoi. Moi je me pose même plus de questions, je chie par terre et puis je sais pas vraiment ce que je fais. What are these things? Donc là il y a vraiment des ondes mais partout, il y en a une vingtaine dans le salon. Alors dans l'histoire du remake, comme vous savez, dans la salle à manger il y en a juste un et c'est tout. Quoi. Là il y a déjà l'armée qui nous attend. Et évidemment, Albert Wesker ne sera pas là, comme d'habitude. Wesker. Le fumier nous a posé un lapin. Something isn't right. Wesker. C'est le mec aux lunettes. Ouais. Et aussi, vous n'avez pas vu Barry. Parce que Barry n'existe pas, en fait. Tout simplement. Il n'y a pas d'autre terme, ce personnage est totalement oublié dans ce jeu, c'est comme s'il avait jamais existé. Normal. Je vis complètement à côté par un moment, je confonds avec ta cible. Ah. Non, c'est moi, là.
Mais j'ai beau me dire c'est la bonne couleur, je sais pas, c'est... We need to keep moving. Maybe we'll find some of the others along the way. Petit peu pont, ah oui là il y a vraiment des cadres de partout en fait ça. Ah oh. Un petit dock. Voilà, la tête décollée. Encore un fusil à pompe, finalement. C'est une salle de tableau, une salle d'art. Mais... Oh l'autre il pop derrière. J'ai que 150 balles, mais putain. Oh, tu vas récupérer d'autres. Le cadre. Ah, ça c'était au milieu, c'était trop bon. Ouais. C'est pas sage. Hein. Évidemment, les éclairs. Les fameux yens. Oh non, je te laisse les tuer. QTE. Oh non, j'ai raté. C'est, n'oublie pas quand il y a un flash et c'est QTE. Ouais, ouais. Bon, ça va, il y a une plante verte à côté. Heureusement, ça one shot pas, mais il y en a mais toujours ouais, une qui va te one shot. Je suis happé par la cinématique et du coup, je suis total. Ouais. Bim. Sur le cadavre. Oh, putain, genre, on ouvre la porte. L'entrée fracassante. Et voilà le trou dans la porte ouais, avec un une tir. Balle. Encore un pompe, je veux bien, mais. Mais non. Putain, on a pris les balles. Ah aussi. Oui, ouais. On a fait l'inverse. Ouais. Voilà la salle de main. Ah, c'est bien fait là. Ouais, ouais, une petite collision ouais. Avec les tissus. C'est pas mal foutu. C'est quoi dehors là? C'est des bisons? Ouais. Ils tapent sur les. Ah, on peut les niquer. Oh, il rentre. Ouais. Oh, bah, ils connaissent le chemin. Hein. Ouais, ouais. Par contre, ils rentrent comme de la merde. Ouais, ils ont perdu un peu les neurones. Oui, mais... Ah, non. ah, enfin. Des cadres partout. Ouais, il y en a vraiment partout. Okay. Petit checkpoint. Ah, ça fait du. Chris se met en mode normal, correct. Bah, elle aussi. Il y a juste une épidémie de zombies. Tout va bien. Je elle remets mes cheveux. On passe c'est à la suite. C'est un couteau qu'il a sur le... ouais. L'épaule. Ouais. Léon aussi en a un comme ça dans R4. Putain, j'avais jamais fait ça. En fait, quand il a sa veste, on le voit pas, alors qu'il est censé être sous sa veste en vrai. Hein. Donc ouais. Ça devrait techniquement dépasser, enfin il y aurait une incohérence graphique quoi. Mais le jeu nous le cache suffisamment bien pour s'en rendre pas compte quand même. D'accord. Et après quand il perd sa veste, bon là ça va niveau vie on perd pas hein. Pour récupérer des plantes, ouais. Mais c'est pas nécessaire. C'est quoi. Alors là il y a du oh, cadre. Putain, alors, là, Harry Potter. Hein. Bon, y'a rien. Putain, ça va la grosse dé. Oh, on a des c'est l'histoire de nous faire participer. Alors, oui, la nouveau zombie. Oh putain, ils j'ai oublié de te dire. Ouais. Bon. Appelle ça des Crimson Head en fait. Et c'est spécifique au remake. Après, ils ont repris le concept bah, ici, dans ce jeu. Et dans Opération Raccoon City également. C'est en fait les zombies de base, quand tu les tuais dans le remake, le cadavre restait au sol. Ouais. Et au bout d'un certain temps, alors je crois que c'est aléatoire, il y en a certains, c'est scripté selon l'objet que t'as récupéré, genre telle clé pour ouvrir tel endroit, ça va t'obliger à passer dans tel couloir où il y en a un, et là il va se réveiller, tu vois, c'est genre oui. Script, ou sinon il y en a, c'est en temps. Et en fait, pour éviter ça, fallait soit leur défoncer la tête, donc faire un headshot comme il faut, ou les cramer avec du kérosène. D'accord.
Donc là, évidemment, on ne fait pas tout ça, donc tout le monde nous rush à la gueule. Alors là, il y a un petit chien qui s'est invité dans... Oui, j'ai vu. Apparemment, il traverse le de la table. Ah, petit document. Alors là, pareil, il y a plein d'armures, hein, si vous vous rappelez, il y avait une énigme ici. Ouh, là, on a évité une QTE, je crois, là. Ouais. Chose de planqué, ouais. Étonnamment. Ah, ça sent la QTE. Oh non, putain. Oh non. Pas comme la dernière. Qu'est-ce que c'est? Non. Ah, putain. Non, c'est bon, on est pas mort. À chaque fois, c'est secoué que c'est tout mauvais. Mais oui, putain. Ok, ouais, tu vois. Donc ouais, donc du coup, ouais. Les Crimsonen, quand ils se réveillent, en fait, ils ont des griffes qui poussent sur les... doigts. Ah, ouais, et ils sont beaucoup plus rapides et plus résistants. Deux ans de classe. C'est la merde. Alors, oui, on va peut-être laisser monter les matchs. <C'est... rire> Sinon, on va attendre longtemps. S'il se casse pas la gueule lui-même, déjà. Il a dû tomber, toi. Oh, des corbeaux. Putain, il est blindé, lui. Corbeaux un peu là. J'arrive pas à shooter lui, ça. Il va pas tomber. Ouais. Ah. On va voir quand il va se planter, là. Ah, on court. Bon. Have you made contact with Bravo team? Tout can't reach them. Let's look for survivors. C'est des survivants. Hein. Donc oui, c'est ils sont venus évidemment pour secourir l'équipe Bravo, donc à savoir Rebecca Chandler. Encore une fois, ça, je pense pas forcément à vous le dire, mais bon, je considère que vous avez vu mes recrues sur les antennes 0 et 1, donc vous avez le speech. Voilà, c'est difficile de parler de l'histoire en même temps qu'on joue, quoi. Ouais. Quand même, qu'on va être concentré un minimum avec ce qui se passe. Donc, donc voilà. Ah, alors ça, Forest, c'est un membre de l'équipe Bravo. Ah, donc du coup, ils sont en fake-en, quoi. Celui-là, ouais, en tout cas. Ah, mais voilà. Forest. Bah, les regrette pas, tu peux toujours le faire sur lui. Putain, mais y'en a des... Il y a des cabots partout. Ouais. Moi, je tire complètement à côté, à chaque fois je confonds. Je vois un curseur qui se barre en, je dis « Ah oui, c'est moi, d'accord. » C'est... Je suis complètement à côté de la plaque, quoi. On est middle vie. Ouais. Bon, on va sûrement choper l'herbe verte. Couvert. Dans pas longtemps. L'herbe verte. Donc... Ah, elle arrive vraiment au bon moment. Alors ici, en fait, on se retrouve au-dessus du... ah, de la salle à manger. Ouais. Voilà. Là où il y avait plein de zombies qui se faisaient chier en haut. Ouais. Faisaient... C'est ça. Oh putain, évidemment. Ouais, faut qu'on charge en même temps. Et on peut pas améliorer le gun, en fait. Celui-là, non. Ouais. Mais après, on débloquera deux pistolets, me semble, dans ce RLA et... Normalement, je crois qu'on pourra les optimiser. Si mes souvenirs sont... How did this happen? Oh putain. Oh merde. Bon, on a corps le spray. Donc on va revenir à la vie. Ah bon? Ouais, ah, avec oui, le spray. C'est vrai, oui. Mais j'ai l'intime de là, du coup. Ouais, mais là, ça va être chaud pour la suite. On a pas intérêt à chier pour après, quoi. De toute façon, j'ai plus de... Attends. Voilà. Allez, tiens. Hop là, on cherchait mutané. Lui, il est énervé. Passe pas.
bon. Il avait plus faim que les autres. Le feu. Ah, qu'est-ce? What was that? Let's check it out. Check it out. Attention, le boss pour bientôt. Le Snake. On va demander à Snake de Metal Gear de nous aider. Bon allez. Bon, ah bon. Yes. Bon, il me semble pas que ce soit trop compliqué. Faut juste tirer dans la bouche au moment où il attaque pour empêcher de se faire des dégâts, je crois. Faut qu'il ouvre la bouche. Ouais, ça lui fait pas beaucoup de dégâts. Faut vraiment tirer au moment où il ouvre la gueule, mais c'est pas simple parce que forcément il ouvre pas tout le temps. Oh, il a fait une fin de sénateur. Le croc du dragon. Voilà. Bon, je vous mets. Ah oui, là on y a bien mis là. Ouais. Allez, ouvre ta petite bouche bien mienne. Ta petite bouche. Là, il y a une plante, faut pas récupérer la main. Alors, il y a mis 4 bras. Qu'est-ce que je fasse? Voilà, parfait. Bon, ben, je suis au gun. Ah, t'as plus rien d'autre? Non, rien du tout. Vous avez le fusil à coup? Non. C'est la crise. C'est la crise. Bon, ça va. Bon, je prends l'air parce que de toute façon, je crois que ce boss, c'est la fin du niveau. Ouais, mais... Il y a même une herbe au-dessus au cas où, donc ça devrait aller, je pense. Ah, on a grimpé. Il peut pas venir. Tu crois? Jill, the chandelier. Ah, bien. Dans tes dents. Ah, il ouvre la gueule. Il a pas ouvert longtemps, dommage. Ah. Ah ah. Wouah. Une bâtard. Putain, il est... Voilà, il va pas tarder à crever là. Ah, voilà. On va peut-être lui envoyer une petite grenade. Ouh, c'était pas loin. Ouais. J'avais oublié qu'il se faisait un rush comme ça. Tiens. Ah oui. Ah bah. Allez, salut. Ok, d'accord. Au revoir. Putain, le pauvre. Oh, genre, t'as la pitié pour un ça. Peu. Chris Redfield, from Alpha Team. Alpha Team? Thank goodness! Everything's okay now, Richard. Voilà, donc on est arrivé, entre guillemets, à temps pour que Rebecca ne meure pas, mais bon, comme vous savez, le sort de Richard Aiken est... Et déjà des... Voilà, il est scellé. Sa mort est proche. Donc des petits profils de personnages. Alors K.L.J. Sullivan, c'est le premier soldat qu'on voit se faire tuer. Enfin, c'est le premier zombie en fait qui bouffe un cadavre, et le cadavre c'est Kenneth quoi. Donc, les stars, ok. Il y a beaucoup de documents. Hein. Je sais pas si on les a tous ramassés, mais on a, a l'appel. Fin quoi que. Bah, on le verra en fait à la fin des résultats. Ouais. Et on débloque le scénario caché avec Rebecca Cauchemar, donc on a, enfin on la voit arriver dans le manoir. Hein. Donc voilà, on est sans temps, le reste c'est pas tip top. Pourtant, c'est vrai qu'il y a, des endroits où il y avait beaucoup de zombies et enfin la caméra nous forçait à avancer. Donc, deux étoiles. On gagne toujours 2 étoiles à la fin des trucs. Ouais, là, à ce moment, c'est moins bien. Mais est-ce que si tu refais l'émission, tu regagnes des étoiles? Ouais. Ouais, tu peux les farmer. Ah ouais, d'accord. Okay. Le mieux étant de faire le rang S, qui donne 5 ou 4. Ah, je sais plus si c'est 4 ou 5 étoiles, je crois que 5, ça va être le max. Ou 4 max. Mais c'est pas plus que 5, en tout cas. Bon, on va peut-être voir les personnalisations. Ah non, on a que 2 étoiles. 4.
Non, c'est la crise totale. Pour rien faire, pour rien m'enlever. Donc, bah écoutez, on va s'arrêter là. Je nous force à arrêter. Donc la prochaine fois, on fera donc l'incident du manoir. Alors je regarde juste le temps pour voir. 20 minutes, bon ça va, c'est une bonne vidéo. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à donner votre avis sur le jeu. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Allez, à plus.